Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 2. Je les ai tous énumérés.
je m'en de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus en toutes les richesses, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang, et la vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il ne faut que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses au langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épurée. Ô Seigneur, tu nous penses en ta garde, tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Vois de toutes parts, rôde les impies,
la bassesse est au sommet parmi les fils d'Assomme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de Judith, page 258. Chant, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu, un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable, force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Amour de toi, Saint-Feur, tu envoies ton souffle, cela existe. Nul ne résiste à ta parole. C'est la base des montagnes ou avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comme le cire. À ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur, ton jour sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient. Pour les siècles, amen. Du cardinal Walter Kasper, la miséricorde. Il n'est pas nécessaire de croire en un renouveau de la religion, mais on peut inviter l'homme à réfléchir de manière nouvelle sur Dieu. Il ne s'agit pas seulement de poser la question « Est-ce que Dieu existe ?», bien qu'elle soit capitale. Ce qui est en jeu, c'est la foi en un Dieu compatissant, riche en miséricorde, qui nous console afin que nous puissions consoler les autres. Car face au cercle vicieux du mal, nous ne pouvons espérer un renouveau que si nous mettons notre espoir en un Dieu bon, miséricordieux et en même temps tout-puissant. Il est en effet le seul à pouvoir renouveler toute chose et nous donner le courage d'espérer contre toute espérance et la force nécessaire pour repartir. Il s'agit donc de croire au Dieu vivant qui ressuscite les morts et qui, à la fin des temps, essuiera toute larme de nos yeux et fera toute chose nouvelle. Selon son propre témoignage, saint Augustin a fait l'expérience de la miséricorde et de la proximité de Dieu au moment où il se savait le plus éloigné de lui. Et il ajoute que se taise la louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de Dieu. De fait, nous ferions mieux de nous taire si nous ne sommes pas capables d'apporter ce message de la miséricorde divine aux hommes de notre temps qui se trouvent dans une telle détresse physique et spirituelle. Après toutes les terribles expériences du XXe et de ce début du XXIe siècle, s'interroger sur la miséricorde de Dieu et des hommes est aujourd'hui plus urgent que jamais. Thank you.
Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Dieu fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor : Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voilà le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses, la tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. En cette fin d'année liturgique, l'Église donne à méditer des extraits d'un livre apocalyptique qui parle donc de la fin des temps. Le livre de Daniel déroute par son caractère composite qui mêle les données historiques et symboliques, les anecdotes morales et les visions prophétiques. Le songe de Nabuchodonosor, qu'interprète ici un sage hébreu qu'on nomme Daniel, peut nous sembler tellement lié à une époque, à une culture, qu'il n'aurait plus rien à nous dire. Et cependant, cette allégorie de la statue, si elle s'applique d'abord à l'histoire des hommes de ce temps,
peut aussi se lire dans la perspective des hommes de notre temps et de ma propre histoire. Ce que le voyant révèle en effet concerne d'abord l'histoire des empires qui se succèdent en cette partie du temps et de l'espace. Le royaume de Babylone, qui laisse place à la domination des Mèdes, puis des Perses, le royaume de bronze, puis à l'empire d'Alexandre, dur comme le fer, celui-ci éclatant en deux dynasties rivales, en partie de fer, en partie d'argile, malgré les tentatives pour les réunir par des mariages, en les mêlant en semences d'hommes. Et cette histoire, déjà, se clôt par l'annonce du royaume du Dieu du ciel, qui jamais ne sera détruit. C'est qu'il s'agit aussi de l'histoire de toute l'humanité, à qui Dieu a donné à l'origine, comme à Nabucodonosor, pouvoir, puissance et gloire, en établissant l'homme comme maître et gardien de la création. Mais cette histoire est devenue une lente dérive loin du Créateur, une histoire pleine de bruit et de fureur, où les empires naissent et meurent dans la violence et dans la douleur, et où l'homme s'épuise à dresser dérisoire sa propre statue au pied d'argile. Le cercle désespéré de cette histoire est brisé par la pierre qui se détache sans qu'on y ait touché, quand l'éternité entre dans le temps, quand Dieu, notre rocher, se fait petit enfant, quand le Verbe paraît, lui que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Cette pierre témoin précieuse, fondamentale, devient pierre d'angle sur laquelle les hommes, pierre vivante, édifient l'édifice spirituel qui, comme le rocher du songe, va emplir toute la terre. Et l'histoire, échappant alors au désespoir et à la mort, devient une histoire sainte, tendue vers son accomplissement en Dieu, vers l'avènement de ce royaume qui, pas plus que les paroles du Verbe incréé, ne passera. Et il en va ainsi de notre propre histoire, car en nous aussi s'écroulent les royaumes, car ce monde passe avec ses convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, dit l'apôtre. Jusqu'à ce que la pierre vienne frapper notre vie et que nous trouvions le roc sur lequel bâtir notre demeure. Jusqu'à ce que nous choisissions de suivre ce roi désarmé dont le royaume n'est pas de ce monde et qui n'est venu en ce monde que pour rendre témoignage à la vérité. Jusqu'à ce que nous voyions se lever au milieu de nous le royaume qui appartient aux pauvres et qui comble les doux. Thank you.
ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'arrêt des violences et pour ceux que la folie meurtrière a frappés dans notre ville. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent. Donne-leur ton esprit de sagesse, afin qu'ils prennent leurs décisions en vue du bien commun. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les forces de l'ordre, qu'elles trouvent en toi leur soutien, pour assurer pour tous la paix et la sécurité. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié. Dieu de toute l'humanité et de l'histoire, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière de Saint André Dung Lac et ses compagnons martyrs au Vietnam nous recommande auprès de toi, Seigneur,
qu'elle nous obtienne le courage de rendre témoignage à ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il le soit fait. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Dieu.